Le bon archer. Donc l'archer, lui, il va être en termes de stats, pareil, vous mettez 100% en férocité. Vous pouvez autoriser 20% de résistance si vous avez besoin. Donc allez, entre 80 et 100% de férocité et entre 0 et 20 de résistance. Enfin, pour ma part, j'ai mis full dégâts. En termes de sorts, les Wailing Arrows, c'est le sort que j'aime bien en dégâts mono-cible. Parce qu'il va être vraiment plus puissant. Ça va faire une pluie de flèches sur un ennemi, sur un boss qui est stun par exemple, c'est très fort. La marque d'Impurity pour le debuff, encore un peu plus de dégâts avec les Phantom Blade. L'Escape et le buff sur le Dust Scroll et la Tourelle aussi en autre sens de dégâts. En termes de runes, on va prendre des dégâts supplémentaires, réduction de la rage, des coups critiques pour les alliés et nous-mêmes, dégâts des coups critiques et le fait de charger. Donc ça permet vraiment de. Si j'ai plus de rage. Voilà, vraiment de bien charger et de balancer la plus de flèche sur un boss, surtout s'il est stun, ça va bien piquer. Sur la marque Impurity, le slow, ça permet de gagner un peu d'escape face à un boss. Et le fait que quand les creeps sont marqués, ils explosent. Et le dernier, c'est le surround. Donc ça veut dire que si vous mettez ça sur un creep, que vous le tuez, ça va permettre de spread la malédiction à tout le monde. Donc si vous avez assez de clear, vous pouvez prendre celle-là pour vraiment l'enlever et puis mettre du full mono-cible. Donc par exemple, voilà, les ennemis sont plus vulnérables aux dégâts. Des choses comme ça pour vraiment maximiser le mono-cible. Là, ça permet d'apporter quand même un peu de clear à ce build. Les Phantom Blade maintenant. Donc Phantom Blade, ça laisse une traînée. Ça fait des dégâts de glace parce qu'on a pas mal de dégâts de glace et ça réduit le cooldown. Donc celle qui manque, je vais vous les donner. Hop. Pareil, tout ça, vous aurez sur le site internet. Pour l'instant, c'est en brouillon, mais je vous le diffuserai. L'Aura of Effect et la charge de plus. Donc qui est l'Aura of Effect ici et la charge de plus. Voilà, comme ça, les rares effects, ça va couvrir plus de place. Et du coup, bah, ça va faire plus de dégâts. Pour plus de clear, surtout. En 5, vous pouvez prendre aussi une autre Phantom Blade, c'est pas mal. Et la tourelle, donc la tourelle, il y a deux choix. Soit vous prenez, de toute façon, ça c'est. Alors celui-là, c'est le même. La durée du skill, le canon en plus, la seconde tourelle. Et après, c'est soit vous prenez l'auto-cible, soit vous prenez les dégâts de. Les dégâts de mêlée. Donc en gros, j'ai plus de potions. L'auto-cible, ça permet vraiment de lâcher la tourelle et de partir. Donc ça va vous donner un gros dégât en mono-cible. Et par contre, le flak launcher, ça va faire plutôt des dégâts en AoE, ça va vous apporter plus de clear. Du coup, c'est pour ça que moi j'ai plutôt choisi le mono-cible parce que j'avais assez de clear. Ça dépend aussi de votre stuff, ça dépend voilà, de ce que vous faites, mais vous avez cette option entre les deux. Donc c'est aussi bien viable pour un arc que pour un pistolet. Là, ça dépendra vraiment de ce que vous avez drop dans le jeu. En termes de passif, on va retrouver des éléments donc sur le critique, notamment coup critique ici, l'attaque speed, les coups critiques. J'en ai un autre. Est-ce que j'en ai un autre? Non, je l'ai pas. Voilà, la place c'est 75% de damage. Donc là, c'est plus vous êtes loin, plus vous allez faire des dégâts. On retrouve du life leash et le fait d'avoir un projectile en plus. C'est pour ça que quand je tape, voilà, j'ai deux projectiles au lieu d'un. Le White Arrow, donc c'est un build vraiment sur le White Arrow, donc on a du bounce, ça veut dire que les projectiles vont bondir et on a ce buff. Qui est ici qui permet d'avoir vraiment comment dire, des dégâts en plus. On a 6% de dégâts par cooldown point, on peut en avoir jusqu'à 10, donc ça fait 60% de dégâts en plus si vous l'avez affiché ici. Sur les autres passifs, donc je vous conseille de partir dans ce sens-là pour votre début de build. Sur les autres passifs. Qui va être intéressant. Clac, clac, clac. Ben, je suis juste en train de reprendre ce que j'ai écrit. Alors. Parce que j'avais que ouvert le lien d'image.
Alors, voilà. Donc sur les autres passifs, du coup, on va voir le transformation de Willpower en furie. Donc, qui va être... qui est où d'ailleurs? Où est-ce que tu es caché? Voilà, qui est là. Donc ce passif-là que je vais aller chercher, bah tiens d'ailleurs, je vais aller m'en rapprocher. Qui est un point aussi important à avoir. Ok. Ça permet d'avoir en fait la rage qui va être faite directement plutôt que ça. Donc ça, vous allez être beaucoup mieux en termes de gestion de mana. Et ensuite, Flooring Flame qui vous permettent d'avoir plus de dégâts au coup de la résistance. En autre point intéressant, alors je crois que c'est Alastor, je vais juste vérifier, voilà, Alastor, c'est ça. Donc en autre point intéressant, on va être sur du Alastor. Donc 74% d'attaque speed après avoir fait un coup critique, vu que vous faites des coups critiques, bah ça tombe bien. Et des dégâts d'overload qui fait que quand vous utilisez un sort, ça fait plus mal. Donc pas mal de points assez intéressants de ce côté-là de l'arbre. Et puis encore une fois, vous aurez tout le détail sur vraiment sur le site internet. Donc vous aurez les liens vers les builds et vous retrouverez l'entièreté des runes, des passifs et puis la vidéo de gameplay. Du coup, je vais lancer la faille. What do you want? Yes, let's go. Juste pour vous montrer un peu comment marche le gentil monsieur. Un petit compagnon. Donc en termes de dégâts, on est vraiment pas mal. Voilà, donc je mets ma truc. Évidemment, quand je la lance, il meurt. Faut essayer de... Alors je l'ai moins joué que mon mage du coup, j'ai pas encore tous les réflexes, mais il faut essayer de bien toujours activer le shadow qui permet d'avoir le boost de dégâts, de mouvement de speed, de tout ce que vous voulez. Voilà, la petite arrow vu que là commence à avoir des boss. Donc ça clean quand même bien, hein. Vraiment les dégâts qui sortent de ce build sont assez vénères. Mais le souci, c'est un peu plus la rapidité. On va être moins rapide que sur d'autres builds. Des builds CAC qui peuvent être un peu plus rapides que celui-là. Mais néanmoins, si vous voulez jouer un archétype qui va être range avec soit un arc, soit... comment dire? Soit un arc, soit un gun, c'est un build plutôt sympa. Ah merde, il était là, je croyais que c'était le gros qu'il fallait que je tue. Allez, merde! Ok. Ah, donc l'étoile, ça permet vraiment d'apporter ce dégât en mono cible. Plutôt que, vous voyez, en termes de clear, la vitesse de clear qui est suffisante. On arrive bien avec ce build à péter les aggros. Par contre, c'est plus les boss qui, des fois, peuvent manquer un peu. Pour ça que j'aime bien cette tourelle-là. Ça a apporté pas mal de dégâts. Et des fois les buffs peuvent aussi être un peu vénères. Et du coup le fait d'avoir la tourelle qui dégomme en mode cible, ça permet d'être un poil mieux que de devoir scommit sur les boss. Alors là typiquement, je me suis fait pull, j'ai mon escape. Je vais juste mettre une malédiction. Ah, il s'est en train de taper mon compagnon. Un peu unlucky. Le compagnon qui casse mon aggro. C'est pas cool ça. On va te mettre tourelle. Comme ça ils font la pluie plus plus la tourelle, ça permet vraiment de péter à peu près tous les boss que vous trouverez.
sans prendre trop de risques, puisque vous pourrez. Vous n'avez pas besoin d'être immobile. Ah, j'ai mes deux tourelles. Est-ce que j'ai un petit railgunner ici? Il y a une tête de mort, mais. Ah, c'est bon, il a pop. Il a pas envie de venir vivre. Non, il reste là-bas. Oh, trip. Bon, bah j'espère que. J'espère que c'était pas la quête du coup. Ce serait un pollen lucky. Où est-ce qu'il est là? On va toujours commencer avec une malédiction, comme ça ça se spread bien sur les autres. Plus l'explosion, ça fait permet de. De tuer tout le monde à peu près facilement. Ok, évidemment, c'était le creep qui me restait. Qu'il est là-bas, je vais essayer de le trouver. Où est-ce qu'il est? Oh, tu me dis que c'est toi, c'est ça? Est-ce qu'il est plus par là? Putain. Non, ce jeu n'est pas bugué, c'est pas vrai. Franchement, celui qui a dit ça, c'est pas vrai. Je vais juste quand même faire un détour par là. Mais je pense que c'est un rip. Ouais, les creeps là. Peut-être essayer d'en faire quelque chose. Nice. Ok. J'ai ouvert le coffre, mince. Je voulais pas forcément ouvrir le coffre. J'avais même pas vu qu'il était là en fait, le coffre blanc. C'est bon, ils sont pas morts encore. Et je vais aller retrouver mon clip là-bas. Ok. Un pistolet. C'est cool. Boum. Mourez. Allez, mon petit bonhomme, c'est le moment de se montrer. Eh ben non. Je vois même pas, hein. Pourtant, elle a tourné, elle, mais c'était pour voir un vieux creep. Nope. Bon, bah du coup, pas de fight, tant pis. Mais pas de fin de fight. Donc j'espère que ce build vous aura plu. Toutes les infos sur le site internet, si vous voulez avoir les talents, les passifs, etc. Tout sera affiché. Et si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, vous me contactez directement. Et puis on en discute.